Je suis né à Saint-Louis le 7 avril 1917. J'y ai grandi. J'ai fait l'école coranique, puis l'école française à l'élémentaire. J'ai continué mes études dans le supérieur à Saint-Louis. À Saint-Louis, j'ai passé le concours pour aller à l'école Villan-Ponty. Et quand je suis sorti, j'ai été affecté à Saint-Louis. Et c'est à Saint-Louis que j'ai passé presque toute ma carrière administrative. C'est une ville de teranga, de respect. De respect de l'homme rencontré, qu'on le connaisse ou pas. C'est une ville d'hospitalité. C'est une ville de piété, de dignité. C'est une ville où il y a beaucoup de métissage. C'est une ville. Ah oui. Parce que l'esclavage avait été aboli en premier lieu à Saint-Louis et à Gorée. Alors les juges de l'intérieur, ou les chefs et les rois de la règne, et qui attrapaient les gens et les vendaient, les gens se sont sauvés. Ils sont venus à Saint-Louis ou à Gorée, où l'esclavage était aboli. C'est pourquoi ici à Saint-Louis, vous trouvez des familles de toutes sortes, de Maures, de Peuls, de Tukulor, de Bambara, de Massinanké, de tout le monde quoi. Avant d'aller à l'école française, j'ai fait d'abord l'école coranique. D'ailleurs, ça m'a beaucoup servi puisque devenu grand, cette piété et cette déité, je l'ai communiqué à mes enfants qui sont devenus de vrais pratiquants. Et j'en suis très comblé. Après l'école coranique, je suis allé à l'école française, à l'école Brière de Lille, qui se trouve dans le nord, dans le coin. À cette école-là, quand je suis entré, je suis entré dans cette école presque en sachant lire. Parce que dans le quartier de Ndakour, où j'habitais, il existait un mulâtre qui s'appelait Lolo, qui savait lire et écrire, lui. Et le soir, sous le lampadaire qui se trouvait à l'angle des rues, tous les enfants du quartier se réunissaient et lui, c'était notre maître, il nous enseignait l'alphabet français. De telle sorte que je connaissais l'alphabet de A à Z. Je savais un peu lire. Les murs des maisons nous servaient de tableaux, ainsi que les trottoirs. Et on y écrivait avec le savon de bois. Alors, si bien que quand je suis allé à l'école Brière en 1926 ou 27, je savais presque lire. On m'a emmené à la classe d'initiation. Je suis resté peut-être 2 ou 3 mois. Mais le maître, voyant que j'étais plus fort que ce garçon, immédiatement, on m'a passé à la classe supérieure. Et de là-bas, l'année suivante, on m'a fait sauter le CE1. Je suis allé au CE2. À l'école Brière, j'ai mis 4 ans. 4 années. Et je me suis présenté au certificat d'études et à l'entrée en 6e. À cette époque, je savais nager. Le fleuve, je le traversais à la bonne saison pour aller à l'école. Mon caftan, je l'enturbanais sur ma tête. Je plongeais parce que mon quartier faisait face à l'école Brière. Et je nageais jusqu'à la hauteur de l'école Brière. Une fois à terre, je portais mon caftan pour aller en classe. Après mes études,
J'ai été enseignant pendant longtemps. J'ai enseigné dans les écoles primaires. Moi, la classe, je l'ai aimée. J'ai aimé enseigner. Et j'avoue que mes élèves, c'était des amis. Ils ont frappé. Mais chaque fois que je frappais un élève, il savait lui-même qu'il méritait ses coups. Mais ce n'était pas pour le blâmer, c'était pour le corriger. Mais avant de lui donner ce coup-là, je profite de la récréation. Je l'appelle. Mais je ne l'appelle pas par son nom, mais je l'appelle par son prénom. S'il s'appelle Ousmane Camara, je lui dis Ousmane. Parce que c'est plus affectif. On est bien à moi. Et quand il vient à moi, je lui dis, mais tu es fâché contre moi, tu continues à faire la vôtre. Nous deux seulement, sans les élèves. Il me dit, monsieur, je n'avais pas fait attention. Je lui dis, alors il faut faire attention, hein. Parce que nous ne sommes plus des amis. Si après on constate une amélioration, vous comprenez, la pédagogie aidant, que cet élève-là n'aime pas qu'on lui donne des conseils en présence de ses camarades, mais qu'il faut lui parler seul. Alors on fait jouer la psychologie. Mais un élève fait une faute, pas. Tu ne sais rien, tu es nul. Non, non, non. Quand on connaît la pédagogie, on n'agit pas comme ça. Les gens qui sont sortis, les instituteurs qui sont sortis de William Ponty, n'agissent pas comme ça. Parce que l'enfant qui va à l'école, qui a 7 ans, 8 ans, 9 ans, est difficile à manier. Quand il est dans la classe, les maîtres qui ne connaissent pas la pédagogie en général, lui demandent de croiser les bras. Mais c'est une faute lourde. Pourquoi demander à un enfant de croiser comme ça les bras tout le temps? Ce n'est pas une attitude enfantine. Hein? Il a besoin de bouger. Hein? Mais si vous voyez que les élèves sont distraits, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. Le maître ne sait pas les occuper. Alors vous leur dites, mais allons les enfants, nous allons chanter. Allez, qu'est-ce qu'on va chanter? Ils disent, monsieur, on va chanter pour que le bon couscous soit prêt. Alors, en avant. Pour que le bon couscous soit prêt, avant de vous, femme debout, et du courage, pilon, pam, pam, pilon, pam, pam. Ils sont contents, ouais. Parce qu'ils aiment le mouvement. Ouais. Ils aiment le mouvement, mais il ne faut pas les confisquer comme ça, tout tranquille. Vous leur dites, recommencez encore. Et ils le chantent. Mais quand il y a eu la guerre, j'ai été mobilisé. Comme tous mes camarades d'ailleurs. Et les Saint-Lusiens étaient affectés à Thiès. À l'infanterie, au RMIC, au régiment mixte d'infanterie coloniale. J'ai fait mon service militaire pendant 2 ans. Quand il y a eu le général de Gaulle au bombardement de Dakar, nous avons été mobilisés jusqu'à Paris, à Rufisque, et on s'est battu un peu à la mitraille. Et au canon, ce qui a fait que le général de Gaulle n'est pas descendu. Il est parti. La vie de caserne était très bien. Moi, j'ai passé l'examen militaire, j'étais aspirant. Aspirant, dans la rue. J'avais réussi cet examen-là. Puis j'ai été détaché à la direction d'artillerie. Avec un capitaine qui s'appelle le capitaine Pascal, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'estimait beaucoup, et qui insistait pour que je quitte l'enseignement. Parce qu'il me dit que toi, dans l'armée, tu vas faire
Tu vas être le premier général du Sénégal, mais il faut quitter l'enseignement. On vous donne des soldes de misère, tandis qu'à l'armée, oui, vous gagnez bien, mais il faut. Mais j'aimais trop l'enseignement et les élèves. Ce qui fait que j'ai perdu tout mon temps. Je n'ai pas perdu totalement mon temps parce que je l'aimais. Mes élèves, il y en a qui me fréquentent et qui m'encouragent et qui m'aident à vivre. Alors, je suis très content. Après ma carrière administrative, je suis entré dans la politique. J'ai été élu par toute la ville de Saint-Louis, député pendant 10 ans. Et après les 10 années de politique, j'ai pris ma retraite pour de bon. L'école Brière de Lille se trouve dans le nord. On a le pont Ferrer, la rue Ferrer, le Rognac nord. La place Fédel, le Sénégal, le petit bras du fleuve, le monument aux morts, on l'a refait, il s'est délabré. À la pointe sud, il y a la jonction des deux rives du fleuve. Parce qu'en amont, le Sénégal, qui vient d'ici, s'est scindé en deux. Il y a une partie ici, à gauche, et une partie à droite. Et entre les deux, il y a l'île de Saint-Louis. On avait construit la ville de Saint-Louis qui était assise au bord des eaux comme une reine. C'est là où se trouve l'Ifon. Voilà maintenant le lycée Ahmed Fall. Voilà cette porte-là, je l'ai ouverte plusieurs fois et je l'ai fermée plusieurs fois dans ma vie pendant 3 ans, à partir de 1930. J'ai été élève dans ce bâtiment. Quand j'ai fait mes études du Sokal Gianponti, j'ai trouvé mon père qui était vieux, très vieux, qui était commerçant. Il travaillait avec la maison Bonnet-Plomb. Il était devenu vieux. Et ma mère également, je l'ai retrouvée vivante. Toujours magicienne. Et quand je suis rentré, elle m'a fait téter. Gros bébé que j'étais, elle m'a fait téter à son sein. Elle m'a dit, tous mes seins, tête encore, tu es un gros bébé.
Et ce geste de ma mère est entré dans mon corps comme une jouance. La jouance, c'est une jouance. Et le premier mois que j'ai touché ma solde, j'ai éprouvé le même sentiment lorsque, très content, je remettais à mon père l'enveloppe que contenait ma solde. Il s'est devenu très vieux, il n'était pas malheureux. C'est lui qui nous nourrissait toujours, il avait construit des maisons, il vivait bien. Mais, comme c'était le père, je sais qu'il avait beaucoup de matières pour moi. Alors je lui ai dit, papa, voilà ma solde, ma première solde. Il a pris ça. Dans ses mains, un instant, pendant quelques temps, et puis après, il me l'a rendu. Il m'a dit, mon enfant, ça c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. Tu n'as pas été le seul enfant du quartier ou de la ville à poursuivre les études. Mais tu m'as honoré. Tu as résisté à la faim, à la misère, à tout, au jeu. Tu t'es privé de pas mal de choses pour gagner ce diplôme-là. Moi, tu m'as récompensé. Tu n'as pas besoin de me donner de l'argent. Moi, je suis fier dans le village, dans le quartier. Parce que tu m'as élevé. Ça, c'est mon père qui me l'a dit. Alors, cette satisfaction-là m'a toujours habité. Du côté de ma mère comme du côté de mon père. Ce que je sais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que ma première femme avec qui j'ai eu des enfants, je l'ai trouvée non pas comme une mère, mais comme une sœur, mais plus que tout ça. Parce qu'elle m'a aidé dans les moments les plus difficiles. Le travail ne peut pas satisfaire la famille. Après la grâce divine, dont je suis entouré, il s'occupe de moi. Je dis ça dans un mot occupe. Mais j'ai dit, il s'occupe ses enfants. S'occupe de moi. Mais le s'occupe là est obtus. Il contient beaucoup de choses. Je suis un homme heureux. C'est sublime. Ouais. Ce mot-là, je l'aime bien. Quand le pélican est revenu de la pêche, bredouille, et était obligé d'ouvrir son ventre pour offrir à ses enfants ses entrailles de père. Il a dit qu'il n'a pas senti la douleur. Parce qu'il y avait son amour sublime qui perçait cette douleur. Tout à l'heure, je vous ai dit que mes enfants s'occupent de moi, c'est sublime. Nous qui avons fini notre
notre partition. Nous ne pouvons que mettre des idées. Et puis des idées fantômes. Maintenant, on va essayer d'appliquer ces idées. C'est bon, hein? C'est bon les idées. C'est bon. Oui. Oui, ces idées, c'est très bien. Oui. Mais il faut avoir une âme. Avoir une âme. Une âme. A, ah, oui. Un sens complexe. Oui. M. Il faut avoir une âme. Non, je ne comprends pas l'expression. Il faut avoir une âme. Oui. Je ne comprends pas. C'est dire l'âme. Oui. Oui. Parce que quand on n'a pas d'âme, oui. On a des idées, mais on ne sait pas pourquoi le boulanger est blanc. Mais quand on sait que c'est pour nous qu'il est blanc, que la farine ne blanchit. Si nous savons pourquoi le boucher est rouge, il est rougi par le sang, disait-moi. Et si vous êtes à cause de nous, qui est. Si nous comprenons que le tisserand est en train de tisser des tissus, et c'est pour nous, et son linceul. Et son linceul. Alors si nous comprenons tout ça, eh bien nous avons une âme. Parce que nous avons une petite, une grande patrie. Nous avons besoin, nous aussi, de jouer notre partition dans la vie. Ah non, le boulanger fait ça, ah moi aussi je vais travailler pour les autres. Ah le boucher fait ça, moi aussi je fais pour les autres. Un grand auteur français a dit, école de mon pays, je t'apporte mon âme. De cette jeune âme, plus débile que le cœur qui l'enveloppe, fait une âme française, fait une âme humaine, parce que c'est un français. Nous le dirons, fait une âme africaine, fait une âme humaine. Alors il faut qu'on ait cette âme-là, qu'on y travaille. Et que chacun, autour de sa déité, parce que dans ces pays, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont, ne le sont pas, il y en a qui sont chrétiens, d'autres ne le sont pas, il y en a même qui n'ont pas de religion, etc., etc. Mais qu'on se respecte, que chacun dans son idéologie religieuse, dans sa déité, et dans la grâce que Dieu lui a accordée, mais que chacun pense à son prochain. Que son prochain est un homme comme lui, qui peut avoir faim, qui peut être malade, qu'il est pauvre, et qu'il a besoin de secourir et qu'on vient à son secours. J'ai dit que si cette âme-là n'existe pas, nous aurons failli à notre devoir. La nuit est noire. Nous restons ensemble.